Le chauve le plus badass de l'histoire est de retour dans un titre visant à renouer le dialogue avec les fans hardcore, sous un contrat épisodique pour le moins étrange. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la sauce prend plutôt bien. Mais va-t-elle rester goûteuse sur le long terme ? En 2012, l'agent 47 revenait d'entre les morts avec Hitman Absolution, un titre qui n'avait pas fait l'unanimité de par sa structure en couloir. Bien décidé à changer la donne, Square Enix et IO Interactive semblent être revenus aux bases du gameplay qui a fait le succès de la série, avec toutefois une petite nouveauté. Car les aventures du chauve en costard seront distribuées de manière épisodique. Un concept qui va certainement diviser les foules, avec d'un côté les amateurs de score en quête de boucler tous les défis, et de l'autre, les joueurs occasionnels qui, après un assassinat réussi, n'auront peut-être pas envie d'y revenir. D'une autre, on se laissera le droit de penser que le format épisodique pour un titre considéré comme un triple A n'est pas une bonne solution et qu'elle laisse une trop grande porte ouverte au martelage médiatique à chaque nouvel épisode. Dans tous les cas, nous pouvons nous accorder sur un point, beaucoup de joueurs attendront la sortie complète avant de franchir le pas. Mais trêve de bavardage, penchons-nous sur ce tout premier épisode qui d'emblée marque par son véritable et agréable retour aux sources, laissant de côté tout ce qui avait pu être critiqué sur Absolution. Que ce soit les deux missions du prologue et la très réussie carte de Paris, le joueur évolue dans des environnements complètement ouverts. Et bien qu'il soit toujours permis de suivre des balises indiquant la marche à suivre pour réussir un type d'assassinat précis, il est tout à fait possible de terminer une mission sans jamais se sentir lourdement guidé. Surtout que pour les plus téméraires, un petit tour dans les options permettra même de désactiver la totalité des indications pour que chaque opportunité d'infiltration soit découverte. Et clairement, en cette ère ouverte plutôt vaste, les possibilités sont nombreuses grâce à des mécaniques de dissimulation totalement revues et corrigées, où chaque déguisement permettra d'accéder à une partie bien plus spécifique de la zone. Par exemple, un maquilleur pourra se déplacer tranquillement dans les coulisses ou dans les salles de réception, mais sera rejeté par les gardes dès qu'il s'approchera d'une zone réglementée. Alors qu'un agent de sécurité profitera de plus de liberté, même si certaines parties du bâtiment lui seront encore interdites. De plus, à ce rouage sympathique, les équipes d'IO Interactive ont eu la bonne idée d'adjoindre des mécaniques de détection propres à chaque costume et situation. Ainsi, déguisé en garde, vous pourrez être repéré par les supérieurs ou les partenaires de la personne dont vous avez endossé l'identité. Un concept intéressant illustré par un simple petit point blanc au-dessus des personnes concernées. Dès lors que l'on s'approche de ces derniers, la jauge de détection commence à s'emballer, impliquant de trouver une autre solution pour pouvoir progresser. En somme, quel que soit le mode opératoire choisi, le fait de pouvoir penser son opération en amont donne la sensation nettement plus réelle d'incarner un professionnel. Le gameplay d'Hitman se révèle donc particulièrement agréable, et ce, quel que soit le style de jeu choisi. De la même manière, les nombreuses opportunités d'assassinat s'avèrent toujours aussi jouissives à mettre en œuvre. Bien entendu, si l'ennui pourra toujours pointer le bout de son nez après 5 ou 6 assassinats réussis, il sera toujours possible de profiter du nouveau mode de jeu intitulé Escalade. Ce mode sera là pour casser la monotonie et proposera d'effectuer une succession de missions à la manière des poupées russes, où des objectifs secondaires viendront se greffer progressivement à un objectif initial, rendant les choses de plus en plus complexes. Un moyen idéal pour tous les assassins en herbe pour apprendre à connaître le déroulement des missions sur le bout des doigts. Et comme si cela ne suffisait pas, Hitman reprend aussi le système de contrat déjà présent dans Absolution. Il s'agira donc du retour des assassinats commandités par les joueurs en utilisant une arme ou un déguisement précis. Plus riche, moins dirigiste et plus stylé, Hitman QV 2016 fait mieux que son prédécesseur sur tous les tableaux. Cette première fournée introductive propose 3 cartes très agréables à jouer, notamment la mission parisienne, que l'on espère représentative de la qualité globale du titre. Le seul bémol se situant au niveau de la distribution épisodique du jeu, pouvant être plus frustrante qu'autre chose pour certains joueurs, car d'autres y trouveront peut-être leur compte. En tout cas, on a hâte de voir la suite, alors joue pas au con le chauve. Non mais non, je déconne, non